Bénéfice d'héritage. N'essayez pas de changer les autres, si vous voulez changer, changez-vous. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prévision pour 2021 pour les ascendants Gémeaux. Cette carte représente les planètes tournant en transit. Les personnes ayant un ascendant Gémeaux sont attirées par le bonheur, le plaisir et la beauté. Sa personnalité est également attrayante et vive d'esprit. Ils sont très religieux. Ils sont déterminés, une fois qu'ils pensent, ils le complètent, c'est leur meilleure chose. Ce sont des maîtres dans la manière d'attirer l'attention de chacun. Ils sont également très en avance en politique. Le plaisir et le plaisir lui sont attachés avec une grande importance. Ils sont très intelligents. Ils présentent n'importe quoi d'une très belle manière. Ils aiment prêcher aux autres. Donc, ce sont les bonnes choses de l'ascendant Gémeaux. Je vous raconterai vos défauts après parfois. Passons maintenant à la prédiction. Ici, le numéro 3 est écrit, vous êtes donc un ascendant Gémeaux. Si votre horoscope de naissance a également trois numéros écrits ici, alors cette prédiction est pour vous. Veuillez ne pas faire d'erreur en regardant la vidéo, sinon la prédiction ne correspondra pas. Cette prédiction sur la base des heures et des dates indiennes, vous devez donc définir la prédiction à partir de la date et de l'heure de votre pays. Si vous vouliez démarrer une nouvelle entreprise ou si vous vouliez évoluer dans une entreprise déjà en activité, les mois de mars et avril seraient les meilleurs pour vous. La concurrence s'est intensifiée partout maintenant. Juin, juillet, août et septembre pendant cette période, votre concurrent peut vous déranger. Mais vous devez continuer à travailler dur, ce n'est qu'alors que vous réussirez. Si vous faites un travail, il y aura des complots derrière vous sur le lieu de travail. Si vous souhaitez changer d'emploi, mars-avril sera le meilleur moment pour vous. Après le mois de juin, vos ennemis cachés au bureau vous lanceront. Les relations avec le personnel de votre bureau peuvent être altérées. Vous devez surmonter tous les problèmes avec prudence. Cette année, vous n'avez pas à vous disputer avec votre voisin. Vous pouvez vous marier pendant le mois de mars et avril. Si vous essayez d'avoir des enfants, vous pouvez réussir. Pour cela, vous devrez réciter le mantra de Santana Gopal. En mai, juin et juillet, votre santé peut se détériorer, le reste du temps, votre santé sera bonne. Prenez particulièrement soin de vos yeux. Cette année, vous ne devriez pas devenir garant. Avant de signer un document juridique, vous devriez le vérifier. Le seigneur de l'ascendant Gémeaux est Mercure. Mercure est rétrograde trois fois par an. Mercure sera rétrograde du 30 janvier au 20 février, du 29 mai au 22 juin et du 27 septembre au 18 octobre. Mercure nous donne de l'intelligence, donne la parole, la communication, donne des affaires, alors quand Mercure est rétrograde, alors le problème vient dans toutes ces choses. Dans les jours restants, Mercure vous sera bénéfique. L'industrie cinématographique, les médias et les entreprises à la mode en bénéficieront. Saturne examinera votre maison de fortune tout au long de l'année, puis il y aura un problème en termes d'argent. L'atmosphère familiale dérangera également. En ce moment, la mauvaise période de votre Saturne est en cours, à cause de cela, il peut y avoir un problème dans la relation entre votre mari et votre femme, cela affectera également votre entreprise et votre travail. Jupiter est principalement dans votre huitième maison tout au long de l'année. Pendant la période de janvier à avril, il peut y avoir des problèmes de relation entre votre mari et votre femme et votre partenaire commercial. Du 6 avril au 13 septembre, Jupiter viendra en Verseau, puis ceux qui essaient de se marier se marieront et s'ils aiment quelqu'un, vous y réussirez également. Rahu va rester dans votre 12e maison pendant toute l'année, donc si vous avez fait quelque chose de mal dans le passé, alors Rahu peut vous envoyer en prison. Rahu peut également vous faire voyager à l'étranger. Le 10 février, 6 planètes se réuniront en Capricorne. Le signe du Capricorne vient dans votre 8e maison, alors cela affectera tout le monde. Vous devriez être un peu prudent ce jour-là. Deux éclipses sont prévues en 2021. Il y a une éclipse lunaire le 26 mai et une éclipse solaire le 10 juin. L'éclipse solaire ne sera pas vue en Inde. Vous devriez adorer le Seigneur Ganesh et le Seigneur Hanuman, donner des choses noires, alors vous en bénéficierez. Si vous récitez Vishnu Sahasranama tous les mercredis, vous pouvez éviter les effets pervers de Rahu. C'était donc la prévision 2021 pour les ascendants Gémeaux. Continuez à regarder notre chaîne pour plus d'informations. Merci.